Donc bonjour, moi c'est Kylian, je suis actuellement en terminale S et je participe au projet Erasmus+ du lycée Frédéric Ozanam qui se nomme European House of the Future Actually Created by the Student. Bonjour, je viens de faire de l'anglais, je suis responsable du pôle international du lycée Frédéric Ozanam. Je suis aussi coordinateur du projet Erasmus+ de partenariat stratégique sur les 3 ans avec nos 4 pays partenaires. Le projet de partenariat stratégique, son titre, c'est donc créer et imaginer la future maison européenne du citoyen européen. Et elle est créée principalement. Cette future maison européenne, imaginée par les élèves, doit répondre à différents critères. Premièrement, des critères de développement durable, avec les économies d'énergie, recherche des matériaux, recherche d'économie circulaire, répondre à des problématiques de société, l'évolution des familles, répondre à des problèmes de positionnement géographique, qui en expliquait. Quand on fabrique, quand on crée une maison en Espagne ou quand on en crée une en Espagne, je dirais les problèmes thermiques et de construction ne sont pas les mêmes. Et puis répondre à des enjeux aussi de nouvelles technologies, puisque c'est une maison qui se dit intelligente avec une surveillance accrue de la consommation et répondre vraiment aux critères européens de développement durable. Et l'Autriche. Et sur les projets Communius, nous avions déjà travaillé en collaboration avec nos homologues, avec l'Espagne et l'Allemagne. Les projets Communius étant abandonnés au profit du nouveau projet Erasmus+, nous avons essayé de nous lancer dans un nouveau projet technique européen. Actuellement, le projet Erasmus+, c'est de construire une maison économique pour le commun des mortels européen, qu'elle soit positionnable en fait cette maison partout en Europe, que ce soit en Allemagne où il fait moins 30 toute l'année ou en Espagne où il fait 40 toute l'année. Donc cette maison, on a d'abord conçu techniquement en fait dans l'ordre de la première mobilité à Rennes en mars 2017. Donc avec les autres pays, on a dessiné des plans, on s'est amusé en fait à devenir des architectes. Puis au fur et à mesure en fait on s'est attaché à un plan qu'on a fait et donc depuis on est en train de travailler dessus, on est en train de réaliser du coup une maquette à l'échelle 1/10 qui permettra en fait de nous servir de modèle pour le futur. Alors ce projet il a apporté beaucoup de choses à l'établissement. L'établissement a une culture européenne assez importante et le projet Erasmus+ a donné de l'envergure à nos projets. Pourquoi ? Parce que déjà il est difficile à obtenir. Il y a un vrai travail d'études d'impact, de diffusion et de communication sur le projet. Et donc c'est un gros travail qu'on a fait au sein de l'établissement pour valoriser les projets techniques et du coup valoriser les langues. Parce que l'essence même de ce projet, c'est de permettre à des jeunes d'aller à l'étranger, mais d'améliorer leur niveau linguistique. Or, en travaillant sur un projet technique, on oublie un petit peu la langue, mais on communique en anglais. On montre le niveau général des élèves en langue. Et au niveau technique, travailler avec des collègues dans une langue différente, parce que ce projet, on collabore avec des collègues et on communique uniquement en anglais, eh bien, nécessite d'être très performant techniquement, nécessite d'utiliser beaucoup d'outils numériques et de beaucoup communiquer sur l'avancée du projet. Donc nous avons un planning sur 3 ans qui nous permet de communiquer. Et moi, étant coordinateur du projet, je m'assure que dans chaque pays, tout le monde avance au même rythme. Ce que le projet Erasmus+ m'a apporté, c'est surtout un niveau d'anglais. La première fois, en fait, la première mobilité, on s'est retrouvés à l'amphithéâtre du lycée, devant une cinquantaine de personnes qui ne parlent pas français, à devoir expliquer ce qu'on avait réalisé les mois précédents en anglais. Donc, déjà, ça fait prendre conscience que l'anglais, c'est la chose. Une des choses les plus importantes à apprendre scolairement, et ça a fait prendre une confiance en soi assez monumentale. Maintenant, je me sens capable en fait de parler à un auditoire énorme
en anglais ou en français, enfin n'importe quelle langue, sans problème. C'est moi qui étais à la base assez timide par rapport à tout ce qui était caméra, tout ce qui était public. Bah maintenant j'ai plus cette appréhension et c'est grâce au fait au projet Erasmus. Tu expliques qu'Ilan est très important parce que la complexité du rapport de la rédaction d'un projet comme celui-ci, c'était justement d'essayer d'imaginer 3 ans ou 4 ans auparavant l'impact du projet. Et l'impact du projet, eh bien, on le voit très bien avec Kylian. C'est-à-dire que Kylian, normalement, ne devrait plus être dans le projet Erasmus. Parce que l'organisation générale fait que tous les ans, on commence sur 3 ans, on change les équipes Erasmus pour justement avoir une meilleure diffusion au niveau du projet et puis leur permettre à beaucoup d'élèves de travailler sur ce projet. Et Kylian a demandé, étant en terminale, à poursuivre ce projet sur son temps libre. Et du coup, on voit très bien comment il a progressé. Les jeunes, quand ils se déplacent dans les mobilités, eh bien c'est vrai, parler en anglais devant un auditoire important, comme ils disent, ça met la pression. Et c'est vrai que leur première prestation n'est jamais la meilleure. Mais quand on les revoit dans une autre prestation, quelques mois après, on se rend compte de l'impact. Et maintenant, Kylian explique très bien, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus à l'aise et ils n'ont pas peur de s'exprimer en anglais. Le projet Erasmus, ça m'a permis de comprendre en fait à quoi servait l'Europe au niveau des jeunes. Sans ça, moi j'aurais pas pu en fait du coup m'améliorer en anglais, rencontrer des personnes qui maintenant sont mes amis qui vivent dans d'autres pays. Franchement, l'Union européenne, je trouve maintenant, depuis du coup que j'ai commencé le projet Erasmus, que c'est une des choses plus importantes qu'on a maintenant. Que même si on perdait cette chose qui est l'Union européenne, on perdrait énormément, que ce soit pour les jeunes et même pour les plus. Pour moi, ça n'a pas changé parce que j'étais déjà convaincu avoir travaillé déjà avec les partenaires, les différents partenaires du projet Comenius, ça a simplement renforcé. Parce que sur les projets Comenius, on n'allait pas aussi loin dans la collaboration. On a créé des liens avec nos différents partenaires, il y a un vrai climat de confiance, et puis on s'implique, on est beaucoup plus attentif à ce qui se passe dans les autres pays. Je me souviens d'une mobilité où on a fait en Pologne avec les jeunes, où ils avaient présenté leur projet, et c'est à l'époque où il y avait l'invasion de la Crimée, et on voyait nos homologues polonais inquiets, et on le voyait diffusé sur toutes les chaînes. Et ça nous affectait parce qu'on se rendait compte qu'en fin de compte, nous on est bien tranquille dans notre pays, mais quelquefois il se passe des choses au niveau de la frontière. C'est la même chose, quand on va en Espagne, on a les mêmes problèmes. C'est réciproque aussi quand il y a des problèmes, quand il y a des attentats en France, eh bien, on reçoit des messages de solidarité de nos partenaires. Et on se rend compte qu'en fin de compte, l'Union européenne, c'est vraiment travailler en paix avec les gens sur des projets. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Thank you.